Salam alaikum les gens. Bonjour mes abonnés. Aujourd'hui on va parler pour un sujet très important, très intéressant. Aujourd'hui on va parler pour la médisance. C'est-à-dire on va parler pour la langue de vipère, c'est-à-dire pour on parle pour les autres par derrière. C'est-à-dire pour on parle mal pour les autres par derrière. Mes abonnés, parce qu'on va aujourd'hui on va adresser sur le Coran. Parce que j'ai déjà demandé Dieu, je demande Dieu, Dieu est dans moi un verset très important, très intéressant. Aujourd'hui, c'est comme Dieu explique pour moi, c'est-à-dire les gens, ils continuent sur le péché, c'est-à-dire les gens, ils continuent pour ça, le moment, le 25 octobre 2020, il y a des gens encore, ils continuent. La médisance, c'est-à-dire les gens, ils continuent, parlent comme la langue des vipères, c'est-à-dire parlent pour les autres. Et Dieu, c'est bizarre, Dieu s'adresse beaucoup dans ça le verset pour les femmes. Dieu s'adresse, il parle pour les femmes beaucoup. C'est-à-dire, Dieu, il parle pour les femmes parce que les femmes, comme on dit, tout la médisance, la médisance, c'est-à-dire tout la langue de vipère. Hein? Parce que Dieu, il parle, pourquoi Dieu s'adresse pour les femmes? Parce qu'on sait ce qui déjà suivent Lucifer, c'est les femmes, malheureusement. Hein? C'est les femmes qui déjà suivent Lucifer. Et Dieu, ça, il parle beaucoup pour les femmes. Parce qu'on regarde, aujourd'hui, c'est qu'il parle trop, c'est qu'il fait la médisance, c'est-à-dire parle pour les autres, c'est-à-dire la langue de vipère par qui? C'est les femmes, parce qu'aujourd'hui, pour les femmes, trouvent ensemble aujourd'hui, il fait un carnage. Et malheureusement, j'adresse pour les Maghrébins, pour qu'ils savent un truc. Aujourd'hui, notre Maghrébine aujourd'hui, la médisance, la langue des vipères. C'est-à-dire, trouvent ensemble, les Maghrébines trouvent ensemble, et elle n'arrête pas, 24 sur 24, pour vous savoir. Aujourd'hui, parce que je sais pas, parce que moi, parce que je suis maghrébin et je sais les maghrébins comment aujourd'hui ça fonctionne. Aujourd'hui, les maghrébins ils prennent pour des croyants, mais ils savent pas un truc. C'est pas parce que toi crois en Dieu, vous êtes un croyant. Parce que Dieu, vous êtes un croyant, parce que il y a des croyants, il y a des gens ils prennent pour des croyants, mais ils croient en Dieu. Mais il contient la médisance, c'est-à-dire la langue du vipère. Hein? C'est tout pour vous savoir, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les gens les prennent pour des croyants. Mais les gens, ils savent pas un truc. Pour vous, pour présenter comme un croyant devant Dieu, obligé, croyant pour A à Z. C'est-à-dire en cas défaut. C'est-à-dire en cas mal pour le cœur, en cas mal pour la bouche. Parce qu'aujourd'hui, et c'est bizarre, Dieu il parle dans le Coran, il dit pour la face et la bouche, il va parler. Il va sortir, Dieu pour la fin, il va montrer c'est qui des croyants. Hein? Aujourd'hui, on regarde mes abonnés, malheureusement. On regarde les gens pour trouver ensemble. Dieu, ça n'existe pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens pour trouver ensemble, les gens obligés fient la médisance, c'est-à-dire obligés parlent pour les autres, obligés manquent de les autres. Hein. Aujourd'hui, on regarde la majorité des femmes aujourd'hui, il fait ça. La majorité des femmes, il fait ça, il continue pour ça le moment où on est pour la fin des temps. Pour vous savoir. Parce que Dieu est dans le monde pour nous. On évite, on trouve en groupe, on évite, parle avec les femmes. Hein? Aussi, Dieu, dans notre parlant, on évite, pour en trouver en groupe. C'est pour les hommes. Hein? Pour vous savoir. Parce que j'ai adressé ça le message pour masculin et féminin. Parce qu'aujourd'hui, on trouve par les deux. On regarde la majorité aussi aujourd'hui des hommes. C'est bon, la mésidence, c'est-à-dire parle pour les autres. La jalousie. C'est-à-dire, parle pour les autres. Mais Dieu demande pour nous, on évite. On évite, on trouve en groupe. Et Dieu, il insiste
trop sur ça, le verset, sur le verset de Dieu, il insiste et il dit pour non, évite, on évite pour en trouver en groupe, on évite pour en trouver avec les femmes. Hein? Parce que Dieu, il n'adresse pas pour les hommes trop, mais il adresse pour les femmes beaucoup. Mais c'est tout, pour vous savoir, fais les deux, évite, trouve en groupe, parce que c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Parce que pour présenter comme un croyant, pour repentir à Dieu, c'est pas facilement. Pour vous ça, c'est pas facilement. C'est pas comme aujourd'hui, repentir pour Dieu facilement comme ça, non. Parce que Dieu est dans des preuves pour le chemin de nous. Pour en repentir à Dieu, Dieu, il va donc pour nous des preuves pour le chemin de nous. Hein? Parce que pour vous savez un truc, les gens, aujourd'hui, comme on dit, personne ne s'en repentira à Dieu. Personne ne s'en repentira à Dieu. J'ai un verset, c'est Sorate, les appartements, le verset 11. Maintenant, je présente pour vous le verset, pour vous savoir. C'est parti, après je continue de parler avec vous. Voilà. Voilà, on va faire. Écoute bien, c'est un message très important. Le verset de Dieu, il insiste bien pour qu'on ne trouve pas en gros, pour qu'on ne trouve pas avec les femmes. Oh, vous qui avez cru qu'un groupe. Donc, alors. Oh, vous qui avez cru qu'un groupe ne sera pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne sera pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Voilà, Dieu, il insiste bien, il parle Dieu. On regarde là, mes abonnés. Dieu, il continue, insiste bien pour ça, parce que Dieu, c'est comme Dieu, il dit pour nous aujourd'hui, c'est des pervers. C'est-à-dire les gens maintenant, c'est des pervers, parce que c'est des personnes injustes, c'est des personnes, Dieu, il insiste beaucoup, il dit aujourd'hui, des personnes, les gens, ils viennent des pervers, c'est-à-dire, les gens les prennent pour des croyants, mais non, pour les gens, ils prennent pour des croyants, mais c'est des pervers, hein, ça sert à rien pour vous savoir un truc. Pour vous savoir un truc, les gens, Dieu, Dieu, comme on dit, Dieu, ça, il montre pour moi la réalité. Des gens, Dieu, il dit pour moi, c'est la majorité de les gens aujourd'hui, c'est des pervers. Et moi, parce que moi, j'insiste pour la communauté maghrébin, parce que je suis maghrébin, parce que je ne sais pas comment les chrétiens, ça fonctionne, hein. Je ne connais pas, hein, parce que je ne juge pas les chrétiens, parce que je ne connais pas les chrétiens, comment ça fonctionne. J'adresse pour ma communauté maghrébin. Ma communauté maghrébin, la majorité aujourd'hui, c'est des pervers. C'est-à-dire, la majorité maghrébin aujourd'hui, Il dit des croyants, mais c'est des pervers. C'est-à-dire, il n'est pas un croyant pour A à Z. Hein? Pour vous savoir, parce que Dieu, il insiste à ça. Dieu, parce que non, aujourd'hui, on parle pour les autres. C'est-à-dire, on manque d'un groupe. On manque des groupes. Hein? Pour des groupes. Des groupes, on rigole. On rigole pour des groupes. Mais Dieu, il répète, il dit. Il dit, ça dépend, ça le groupe, il est meilleur pour vous. Il est meilleur pour vous. C'est-à-dire, Dieu ne demande pas, on ne juge pas comme ça. On ne savent pas, on ne juge pas. Hein? Aujourd'hui, la majorité des gens aujourd'hui, ils jugent. C'est comme les gens aujourd'hui, ils prennent pour des prophètes. Et malheureusement, c'est ça.
Malheureusement, c'est ça. C'est comme ça à l'époque avec les prophètes. À l'époque avec les prophètes, avec la sainte prophète, à l'époque, on juge elle. C'est-à-dire, on juge elle, on ne sait pas ce qu'est elle, comme le Christ. Le Christ, à l'époque, on prenait pour un sorcier. Un sorcier. Malheureusement, lui, ce n'est pas un sorcier. Lui, c'est le Messie. Hein? C'est le renverse. Hein? C'est-à-dire, pourquoi? Parce que le corps de nous, il est déjà, comme on dit, il est déjà, c'est bon, on prend la confiance, c'est-à-dire, on prend l'habitude. Parce que le cœur de nous, c'est un cœur de vipère. C'est-à-dire, le cœur de nous, c'est un cœur, il vient un cœur vipère. C'est-à-dire, c'est tout le temps le mal et tout le temps, on juge les autres. Et Dieu, il parle pour mes abonnés, pour j'y insiste avec vous. Un croyant, c'est pas facile. Un croyant, Dieu, il donne des preuves. Un croyant, pour vient un croyant, viens un croyant, mes abonnés. Oblige un prophète à côté de toi. Parce qu'on ne sait pas. Parce que non, on ne sait pas. On ne lit pas correctement le Coran. On ne sait pas le Coran, il parle quoi. Parce que le Coran, pour le Coran, il y a toutes les réponses. On n'est pas guidé. On ne sait pas comment on lit le Coran aujourd'hui. On ne sait pas. Parce que le Coran, il y a toute la réponse de Dieu sur le Coran. Et dans la Bible, aussi, il y a la réponse dans la Bible. Hein? Dans la Bible. Parce que nous, on ne sait pas comment lire le Coran. C'est ça parce que Dieu, il est envoyé pour nous des prophètes. Il est envoyé pour nous pour des prophètes, pour lire pour nous le Coran, comment lire le Coran, comment on vient des croyants. Aujourd'hui, les gens le prennent pour des croyants, mais non. Ça, la majorité d'aujourd'hui, des gens, c'est des croyants. Mais c'est des personnes, c'est des pervers. C'est-à-dire, c'est des personnes, la langue du vipère. C'est-à-dire, les gens aujourd'hui, c'est comme un manque, parle pour les autres. C'est un manque. Aujourd'hui, c'est comme un drogue. Les gens, c'est comme. Les gens aujourd'hui prennent un drogue. C'est un drogue, ça. C'est-à-dire, la langue du vipère, c'est un drogue. C'est comme la CC, c'est comme les autres. C'est-à-dire, tu es obligé, parle pour les autres par derrière. Obligé, rigole pour les autres par derrière. Mais les gens, ils ne savent pas un truc. Ça dépend, vous rigolez pour des personnes. Ça, c'est des personnes. C'est meilleur pour vous. C'est meilleur pour vous. Ça dépend, vous prenez pour des croyants. Mais ça dépend, le personne, toi manque le respect de lui. C'est-à-dire, parle pour lui, parle, rigole sur lui, etc. Ça dépend, lui. C'est un putain croyant. Ça dépend, c'est un croyant meilleur pour toi. C'est ça, j'explique pour vous. Dieu les demande pour nous, mes abonnés. Pour bien croyant, pour repentir à Dieu. C'est-à-dire, obligez, évite, trouve avec des groupes pervers. Évite pour trouve avec des femmes pervers. Hein? Parce que la majorité des femmes aujourd'hui c'est des femmes pervers. Hein? C'est des femmes pervers. C'est ça que j'explique pour vous, pourquoi à l'époque, tous les prophètes, et Marie, pourquoi Marie à l'époque on manque de respect de elle, on manque de respect pour un manque imaginable, un manque qu'on prend pour elle, pour un pute, astaghfirullah, on prend le Christ pour le fils d'un prostitué, c'est un fils d'un pute, hein. C'est ça que j'explique pour vous. Et aujourd'hui, on est le 25 octobre 2020, il y a encore des gens qui manquent de respect pour des prophètes. C'est-à-dire, la langue des vipères, c'est-à-dire on manque de respect des prophètes. Hein? C'est pour vous savoir, comment un croyant de Dieu, comment ça fonctionne? Un croyant de Dieu, il y a beaucoup de preuves en vivre avec Dieu. Pour venir un croyant, c'est pas facilement. Et Dieu, il montre pour vous maintenant, malheureusement. Hein? C'est-à-dire, on regarde. Aujourd'hui, des prophètes pour vous. Dites-vous, vous va pas croire des prophètes. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous, c'est comme à l'époque. À l'époque, à l'époque, on est des pervers avec les prophètes. C'est-à-dire, on parle par des rêves, on rigole sur les prophètes, on fait tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, les prophètes, il est là, mais
mais il n'y a rien d'échange. C'est-à-dire, c'est pour vos saves. Comment j'explique? C'est-à-dire, il croit les prophètes, il est là. Il croit les prophètes, il est là. Pour vos saves. Il croit les prophètes, il est là. Mais les gens, il ne va pas repentir. C'est-à-dire, il va commencer pour le mal. Hein? Il va commencer pour le mal, les gens. C'est-à-dire, les gens présentent le Christ devant lui. La personne va rester un pervers. Hein? Et la majorité des femmes, elle prend pour des femmes chrétiennes, etc., etc. Mais c'est des femmes perverses. C'est des femmes perverses. C'est-à-dire, c'est des femmes aujourd'hui, elles contiennent. C'est-à-dire, elles contiennent, parlent pour les autres par derrière. C'est-à-dire, rigolent pour des groupes. Hein? On regarde aujourd'hui. Moi, pour moi, je ne prends pas pour des chrétiens. Normalement, des vrais chrétiens, ils parlent pas mal pour Marie. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle mal. C'est pour vous savez, un croyant, c'est quoi? Le message de moi pour vous savez, un vrai croyant, il est propre pour A à Z. Un croyant pour repentir à Dieu. Il évite tout. Voilà. C'est ça que j'explique pour vous. Maintenant, j'ai arrêté avec vous ici pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bihawlillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bihawlillah. Pour vous savoir, mes abonnés, c'est quoi un croyant? Un croyant, aujourd'hui, les gens prennent pour des croyants. Mais malheureusement, c'est des personnes perverses. Ça suffit pas de croire en Dieu, hein? Ça suffit pas de croire en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient pas en Dieu. Il y a des gens qui croient pas en Dieu. Mais c'est des gens, c'est pas des pervers. Pour vous savoir, il y a des gens, ils croient pas en Dieu. Mais des gens, c'est pas des pervers. C'est-à-dire, ils parlent pas pour les autres mal. Ils rigolent pas pour les autres groupes. C'est pour vous savoir, un croyant, vous êtes, j'éclaire avec vous, vous êtes les gens, vous êtes très, très, très loin pour des croyants, pour vous savoir. Un exemple pour vous, regarde un prophète, ça montre pour vous, c'est quoi un croyant? Le Christ, c'est un exemple pour vous. Le Christ, c'est un petit incroyant. Ça montre pour vous, ça veut dire quoi un croyant? Parce que Dieu, il envoie pour nous des prophètes. Il montre pour nous. Ça veut dire quoi un prophète? Dieu, il montre pour nous un exemple sur les prophètes. Les prophètes, c'est des croyants. On regarde nous, on est à côté des prophètes. On n'est rien à voir à côté des prophètes. C'est un exemple pour nous, mes abonnés, pour vous. Ça, c'est quoi un croyant? Ça ne suffit pas, c'est un croyant. Un croyant obligé pour A à Z. Et aussi, c'est un message adressé aussi pour les Maghrébins, aussi pour les Maghrébines. Continuez comme ça. Mais il n'y a pas de paradis. Le paradis, oubliez les paradis. Parce que vous êtes comme ça, des femmes perverses. Vous va rester comme ça. C'est clair, c'est ça. Assalamu alaikum.